Alors, petit test, on va tester un petit truc, hein, parce que je sais pas si ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce live de Dying Light Enhanced Edition sur Fabrice Fun Gaming. Alors, normalement, je live depuis un bon moment sur YouTube. J'avais fait sur Twitch il y a très très longtemps. Là, c'est la reprise sur Twitch. Donc, salut YouTube. Ce sera transféré sur YouTube ensuite. Donc, là, je réessaie Twitch pour voir si je suis plus. Si je suis plus. Comment dire on va dire. Plus à l'aise avec Twitch que YouTube. Je veux voir un petit peu et puis de diversifier. Là, je vais continuer le jeu, donc dans Dying Light 1, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que j'en étais après l'arène contre le grand méchant, et que je m'étais retrouvé avec les sauveurs. Donc je vais y aller tranquillement. Donc oui, comme d'habitude, les règles, tout ça, vous savez comment ça fonctionne, c'est tranquille ici pour les gens qui sont habitués. Sinon, si je reprends sur Twitch, évidemment, ça va être totalement différent. Donc dans le jeu, j'avais trouvé Excalibur. Excalibur existe dans ce jeu, mais alors purée, en faisant une copie de l'épée, c'est de la merde en fait, c'est de la grosse merde parce qu'il faut. Ça prend trop de temps pour tuer les ennemis, c'est juste un truc pour les balancer dans le. Ouais. On a discuté quand j'ai rétabli les communications radio. Tu devrais la contacter en arrivant là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci Brecken. A plus. Donc ouais, alors du coup, j'en étais où? J'en étais là. Ouais. Tu vois cette maison avec la fumée rouge? Si les gars de Maïs la repèrent, ils vont frapper à sa porte. Quelqu'un doit prévenir ses occupants. Maison avec la fumée rouge. Bon, tant pis, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout complètement. On va faire la mission principale, parce que j'avais fait un tas de missions secondaires. Donc, j'étais sur YouTube à un moment donné. Il y a un long moment. Il y a un long, long moment. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre sur Twitch, voir ce que ça donne. Pourquoi est-ce que le message ne se met pas? Je me pose la question. Bon, peut-être parce que. Oh merde! Il y a des petites sautes. Qui c'est qui est là? Ah, salut Big Chixo, bienvenue sur le live. Je vois qu'il y a des gens. Salut Star, bienvenue sur le live. Alors, on va reprendre gentiment. Alors, du coup. Faut que j'aille par où? Ça fait un moment que j'ai pas joué. Parce qu'actuellement, j'ai un travail. Et. J'étais sûr qu'ils allaient sortir sur les côtés. Actuellement, j'ai un travail et je peux pas live comme je voudrais. Donc, je live beaucoup moins qu'avant. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre sur Twitch en tout cas. Donc, c'est tranquille. On va voir ce que ça donne. Sinon, je transférerai tout. Ah bah non. C'est un crash dégueulasse, donc c'est pas un virulent, tout va bien. Donc c'est en vue de faire Dying Light 2. Hein. C'est pour ça que je fais le 1, je ferai le DLC aussi. Donc Dying Light 2, ça va attendre, de toute façon, les nouveaux jeux, ça va attendre. Là, actuellement, j'ai réinstallé des jeux que je compte. Oh putain, j'ai raté complètement le truc. Ouais, c'est pas grave, j'ai mis les spécialités pour pas avoir trop de dégâts de chute. Et j'ai joué au moins 50% du jeu en normal, mais simplement c'était. Je me fais tellement bouffer, je suis tellement bourrin que j'ai mis en mode histoire. Parce que c'est soit en mode normal, soit en mode facile sur ma chaîne, hein. Je me prends pas la tête. Je joue à ma manière, pour le plaisir du jeu. Pas me faire chier à ouvrir les bagnoles là, c'est pas où qu'il faut aller. Ah, c'est par là-bas. Par contre, il y a un truc qui me gêne, mais d'une force, et j'aimerais savoir un truc. Attends, modération, aspect du chat, vue détaillée, attends. Euh...
Ça marche pas, c'est quoi ce délire? Alors attends. Ah, d'accord, ok. Je comprends pourquoi ça marchait pas en fait. J'avais l'impression de ne pas avoir reçu le message de Big Chixo. En fait, le problème c'est que j'ai pas fait F5 et du coup ça s'est pas affiché. D'accord, donc salut Big Chixo et coucou, ça va? Bah oui, ça va, tranquille, merci. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi le message s'est pas affiché? C'est juste que j'aurais dû faire F5, c'est un peu de la merde, mais bon, tant pis. Donc ouais, je disais que j'avais, je sais plus si je l'ai sur moi. Non, je l'ai plus sur moi en fait. Pas me faire emmerder aussi. On peut se déguiser. Voilà, ça c'est bon. Oh putain, je l'ai pas vu lui. Waouh, d'accord. Le toit a pété. Et ça fait du bruit, donc ça a énervé les virulents. Je suis Batman, c'est génial. J'adore ce. Attends, est-ce que. Ah, mais je me suis. Ah, putain, j'étais trop loin. J'ai pas fait gaffe où j'allais. Tu vas faire le 2, moi je suis dessus en ce moment, je kiffe. Alors le 2 je le ferai, mais pas tout de suite. Déjà que je fasse. Bon, déjà que je fasse le 1 en entier. Et ensuite le DLC. Et après on verra pour le 2. Parce qu'il y a Elden Ring qui me donne envie. Mais je vais dans la mauvaise direction, moi. Oui, donc je parlais. Ouais, bah, du coup, je parlais de. D'Excalibur. Donc, oui, on peut trouver Excalibur sur le jeu. Est-ce que. Oh, c'est super ça. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est sur YouTube, hein. Donc je transfère de toute façon tout sur YouTube. Donc ouais, il y a Excalibur dans le coin. Et ici, voilà. Il y a l'Excalibur normal et l'Excalibur qu'on peut fabriquer qui fait des trucs électriques, mais qui sert à rien du tout parce qu'elle se pète hyper vite. Qu'il faut du tissu d'esquiveur pour la fabriquer. Fusil de police là, et du coup le problème c'est qu'elle se pète très vite. Alors vous pouvez la trouver, elle est où la carte? Elle est ici. Alors normalement vous pouvez trouver par rapport à la map, vous pouvez trouver l'Excalibur ici. Vous la trouvez ici sur un corps. Alors il faut maintenir la touche pour prendre un objet, il faut pas l'enlever, il faut la maintenir. Et ça prend quelques minutes. Ça doit prendre 5-10 minutes, un truc comme ça, pour pouvoir la retirer du rocher. Ensuite, une fois que vous avez retiré l'épée, vous partez pas, vous brûlez le corps. Ça prend un petit moment pour que le corps brûle. Et vous avez le plan pour la fabriquer. Voilà. Et voilà ce que ça fait, en gros. Mais elle se pète tellement vite que vous êtes obligé de maintenir pour avoir les dégâts, pour les renvoyer en arrière. Sauf que ça vaut pas les armes normales. Hein. C'est juste un petit truc sympa à trouver.
ça vaut pas les armes normales, ça c'est sûr. Alors attends, parce que je l'ai mise dans mon inventaire, Excalibur, tac. Ensuite, fusil de police, je le mets là. Dans mon inventaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fusil de police, un pistolet 9 mm américain. Juste le voir. Non, je veux pas le mettre là-dedans, je veux le voir. Tac. Est-ce que je peux l'utiliser au moins? C'est la question. J'ai 75 balles avec, donc oui, c'est un légendaire, tout va bien, mais j'utiliserai pas tout de suite. Alors on va faire un peu de tri et un peu de revente de merde parce que j'ai tellement de choses sur moi. Stockage, donc stockage, j'ai le couteau à dépecer, l'excalibur, que je vais reposer parce que c'est de la merde. Le sabre s'il faillit, je vais le garder. Je vais garder le fusil de police. J'ai combien de balles? Je ne sais pas. Munitions de fusil, voilà. Munitions subsoniques, d'accord. Munitions carabine, munitions fusil. Oh, ça doit aller. Ça doit aller. Alors. Alors. Ah, le 1, je l'ai pas fait, mais je l'ai vu jouer par Bob Lennon et Fanta à l'époque. Et ça fait un moment, hein, donc ça fait un moment que je sais plus comment l'histoire était, mais je sais que c'était une histoire bateau avec une VF pas mal, mais une synchro labiale à la rue, mais un gameplay qui était bien foutu, je trouvais. Alors, du coup, inventaire, ouais, faut que je remonte. Non, le jeu était très bien, c'est juste le scénario qui était un scénario de série B, et puis des méchants, un méchant un peu caricatural, mais sinon c'était plutôt bien comme jeu en termes de gameplay. Donc voilà. Attends, mais il y a un truc qui va pas là. Inventaire. Sabre Sifaï, ok. Ah, j'ai un autre Sabre Sifaï, il fait 183. Et lui, il fait 227. Bon, bah, on ira le garder. Et puis, on vendra. On a combien de place? On a plus beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas joué parce que j'ai un boulot en ce moment. Mon boulot, c'est dans l'audiovisuel. Je fais. C'est un boulot de réinsertion sociale. Après, je suis aux sociaux depuis que j'ai plus mon chômage depuis des années. Et en Suisse, on te laisse pas tomber. Du coup, je suis aux sociaux. On met des contrats de réinsertion. Et là, en ce moment, bah, c'est du montage audiovisuel. Du montage, faire des reportages, prendre des images. Là, actuellement, j'ai fait un reportage sur la faune lacustre du lac de Neuchâtel. Et en ce moment, bah, ça me prend du temps. Du coup, j'ai moins de temps pour liver. Et c'est pour ça que je joue moins à mes jeux. Aïe. Et du coup, c'est pour ça que je parais complètement perdu, en fait. C'est pour ça. Alors. Ça, et c'est quoi ça, là-bas? Défi, déjeuner mortel. Non, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Il me faut un vendeur, quelque part. Il y en a un là. On va aller le voir. Bon, ça je vais ouvrir, ça je prends. Dans cette direction, ça je prends aussi. Parce que je devine bien maintenant ce qu'il y a dans. Quels sont les contenants. Merde. C'est ici, comment je rentre. Vendeur. Qu'est-ce que tu fais?
C'est quoi ce carnage? Tu plaisantes? Tu sais pas qui je suis? Non. Je devrais? Évidemment. J'ai fait l'élimination des zombies en véritable art. Je suis El Jefe. El Jefe, le tueur de zombies. T'as forcément entendu parler de moi. Attends un peu, j'ai une idée. Tu veux me défier, hein? Me prouver que t'es meilleur tueur de zombies que moi. On va voir qui en tue le plus par démembrement. Ça va saigner. Ah mais c'est un défi ça, mais je m'en fous. Vendeur. Je m'en fous. Alors, du coup, câble électrique, gaz, ça je prends. Munitions de fusil. Je prends. Munitions de pistolet. Ah, j'en ai assez. Munitions de carabine. Ah, j'en ai assez aussi. De la corde, je prends. Je te vends le merdier pour 144. J'ai 34 000 balles. Bah putain, c'est... je suis bien loti. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux lui vendre? Ça, je lui vends surtout pas. Ça non plus, je vais lui vendre. La hache Highlander, elle fait combien de dégâts? 208. La baramine, je suis obligé de la garder. Oh, je garde tout. Puis j'achète rien. Puis je vais arrêter de looter parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de looter les armes parce que j'en ai bien assez. Puis que c'est pas mal. Alors, faut aller où? Faut aller. Là, ensuite, il faut aller là-bas. Gaz, ça. Ça c'est bon, ça c'est pour se régénérer. Bon, je vais me régénérer maintenant, c'est parfait. Change d'arme. J'utilise. Attends une seconde, pourquoi? Inventaire, ah oui, évidemment, alors, du coup, baramine de qualité, tac. Alors l'arme, on a dit on arrêtait, ça on prend. Autre chose autour. Non, c'est bon. Voilà où je voulais aller. Mais ça marche aussi. Carrément dépassé, génial. Merde, bloque pas. Tendance à paniquer à cause du nombre de saloperies qu'il y a en haut. Comment on entre? That is the question, alors du coup.
Sérieux, mais tu veux que j'entre comment là-dedans? Les sauveurs localisés. Est-ce que ce serait ça? Ce serait un peu con si c'était ça, mais bon. D'accord. Tu veux quoi? Je cherche les sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brecken qui m'envoie, de la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée? Jade? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux? C'est toi qui as coupé la main de Rice? Ouais. Et là, je dois passer dans le secteur zéro. Il t'appelle comment? Crane. Eh ben, Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur zéro te permettra d'échapper à Rice. Bon, attends. J'ai un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? Ok. Entendu. Viens là. C'est bon, on va te faire passer. Oh. Maintenant. Et c'est combien? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu, merci. Non, merci à toi. Et ben voilà. Alors du coup, j'avais des compétences à mettre. Élimination. Faufilez-vous derrière vos ennemis pour les éliminer en silence. Oui. Par contre, c'est fois pied sur quoi? Puis sur carré, puis une fois derrière un ennemi pour exécuter cette action. Oui, un plaisir. Ça me permettra d'éliminer les zigotos de Rice sans problème. Ah, c'est par là-bas, d'accord. J'essaie d'échapper aux virulents là. Ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attends, c'est le bordel à chaque fois. Ah oui, je l'ai pété, d'accord. Il y a un truc là-dedans, non, il n'y a rien du tout. Putain, mais j'ai un problème avec le chat, toutes mes excuses. Tu découvres, bah ça dépend des goûts, bien sur la synchro, peut pas être pire que Kingdom Come. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas trop vu. Sérieux, t'aimes pas la synchro là bien? Ça dépend, des fois ça bouge pas. Des fois les lèvres ne bougent pas. Et souvent, t'as des personnages qui ont la voix de Mos Eisley, beaucoup trop. Mais c'est rigolo.
D'accord. Ça pue du cul. Ah bah je m'attendais pas à ça moi. Je suis rentré là-dedans parce que je crois que c'était là où il fallait aller. Oh intéressant, ça je prends. C'est bleu. Ah mais c'est en haut. Ah je vois, ok. Ouais c'est là-haut. C'est là-haut, donc il va falloir que je repasse par le haut. Pardon. Alors. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Est-ce qu'il y a moyen? Oui, parfaitement, il y a moyen. C'est génial. J'adore ce grappin. Bon, on peut pas monter là-dessus. Oula, je vais pas tenter le diable, hein. Monte. Merci. Alors. Je tousse parce que j'ai pas assez bu, mais d'abord je sèche. Et si je réponds pas tout de suite sur le chat, c'est que ce dernier s'est pas mis à jour correctement. Je suis d'accord, la VF est pas la meilleure que j'ai entendue, mais l'histoire est très bien. Oui, l'histoire est très bien. C'est juste que ça fait. C'est pas un scénario qui casse trois pattes à un canard, mais c'est un bon scénario. Simplement, c'est un scénario. On peut voir dans n'importe quel film. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas original. C'est un truc qu'on pourrait voir dans un film du dimanche, quoi. Mais qui reste, ça reste plaisant, hein, faut pas se mentir. Ah mais oui, je comprends pourquoi je peux pas passer, c'est parce que... La zone m'est interdite, pour ça. Alors... Ok, c'est par là. J'ai retrouvé Senk. Au début, il avait pas trop envie de me parler, mais après lui avoir dit ce que j'avais fait à Rice, les sauveurs ont décidé de me filer un coup de main. Ils vont me faire passer dans le secteur 0. Ah oui, pour le jeu, je l'avais vu en entier. J'avais vu aussi le DLC, mais le DLC, je n'ai plus aucune idée de quoi il s'agissait en fait.
c'est moi. Enchanté. Je m'appelle Hassan. C'est moi qui vais t'aider à changer de décor. C'est toi qui as fait passer Jade? Qui? Elle est d'ici. Brune, mignonne, dure à cuire. Peut-être. Je sais pas. On ne demande pas les noms. Un Big Chixo qui me fait, t'as déjà vu un film post-apocalyptique de zombies un dimanche, toi? Non, j'avoue que non. Alors, suivons notre ami. Je suis un peu plus rassuré avec la lumière allumée. Oh, des gens normaux. Regarde, papa, c'est Monsieur Crane. Ah, mais t'es là, toi. Tiens, tiens, le monde est petit. Dawood, on doit parler de ta situation. Désolé pour la chasse à la figurine, mais je ne voulais pas que tu me suives. Ces types sont plutôt sérieux au sujet de leur procédure. Ce n'est pas juste pour Salma. Salma et moi, c'est terminé. Tu es hors sujet. Alors quoi? T'as quelque chose en tête? J'ai encore un flingue, tu sais. Crane, nous avons une règle. Chacun s'occupe de ses affaires. Si tu ne suis pas cette règle, tu ne passes pas. Aucun problème. Ok, à partir de maintenant, tu es tout seul. Le chemin est indiqué, on reste en contact par radio. Bonne chance pour la suite, mon ami. Il vient d'arriver. Ça fait des heures qu'on attend. C'est pas moi qui décide. Reste là. Lui, ne jamais lui donner un flingue en début de jeu. Ok. Ah, mais je peux pas rentrer là-dedans, ok. Ok, va falloir que je passe par là. On essaie de faire le ménage, mais il y a peut-être des infectés par-ci, par-là. Ça devrait pas te poser de problème. Ah bah j'espère. Un gros, par contre, ça va être une autre histoire.
Niveau vert, on s'en bat les couilles. Alors. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon bah ça va poser problème en fait. Ça devrait passer ça. Allez, dépêche avant que je perde mon camouflage. Ah, j'ai encore le camouflage. Ah oui. C'est fou, il durait plus longtemps le machin. Il y a encore quelques infectés, mec. Il y a que ça en fait dans le coin. Et merde. Ça c'est du verre, on s'en fout. Qu'à en refaire sinon, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais pas attendre, je vais en refaire. Ensuite, dans les plans, qu'est-ce que... Non, je t'ai pas demandé de fabriquer les flèches. Du bleu, ok, on va voir de l'autre côté.
Ouais, je sors comment du coup? D'accord, donc c'est par là qu'on passe. Pourquoi je m'emmerde en fait ? J'oublie complètement que j'ai ce truc là, hein, alors que je peux le faire. Je peux faire comme ça, j'ai pas besoin de m'emmerder. Hein. Désolé mon pote, mais j'ai pas trop le choix. L'autre gars me tient par les couilles. Hein? Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas le choix. Ok, tu veux jouer? On va jouer. Alors, on va jouer autrement en fait. On va. Inventaire, on va sortir le flingue carrément. On va le mettre là. Je les attends. Par ici. Tuez-le. Alors t'es en train de crever du feu là ?
Ouais, ça a l'air. J'essaie vraiment de pas trop dépenser de... j'arrive pas à viser, fais chier. Il a disparu l'autre. Je rêve pas. Ne la fais pas à l'enfer. Voilà. Je relâche trop vite, hein. C'est un peu con. C'est difficile parce que viser comme ça, j'aime pas du tout. J'aurais bien aimé une visée automatique un peu. Ils font chier à côté. En train de crever, c'est parfait. Ben voilà. Alors, du coup. Merde. Ah, faut que j'arrête. Faut que je change surtout. Parce que j'ai tendance à tirer... Enfin, à vouloir viser avec gauche L2. Je sais pas pourquoi. Y'a rien d'autre dans le coin vraiment.
Ok, moi j'ai repris toutes mes munitions que j'avais perdues. Pas bien, c'est super. Super, enfin je ressors de là. Attends, t'es sérieux là? C'est sérieux, je ne peux pas. Alors attendez, parce que le chat me fait de toute façon des misères. Ok, c'est bon. Du coup, ici. Ok. Faudra que je fasse gaffe à ces petits coffres du coup. Enfin, des misères dans le sens qu'il n'y a rien qui s'affiche comme je voudrais en fait. Alors. Dans le coin, c'est génial. Putain, ils sont où? On est censé les attendre. Silence. Bricken, tu me reçois? Ici Crane. Comment ça va, Crane? Dis à tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus et j'y restais. Putain! J'espère que ça va. Contacte Troy quand tu arrives dans le secteur 0. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Ouais, c'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. Alors, c'est pas ce qui était prévu là. Ce que j'avais prévu, c'est de leur balancer un cocktail Molotov, sauf que. Oh, il y a une statue. Hop là. Sauf que. Bah, j'avais le grappin à la place. Donc. What the fuck? Ah oui, d'accord. Voilà. Puis on y est depuis combien de temps là? On y est depuis 55 minutes, donc c'est parfait. Enfoiré, ces sauveurs. Ces salopards travaillent avec Rice. Ils m'ont tendu un piège. Pour un peu, j'y restais. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. Ici Crane, tu me reçois? Merde. Bon, je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane, tu m'entends? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le zéro? Excellent. Tu as vu deux tours, une plus grande que l'autre, avec des échafaudages partout. C'est notre perchoir. Mets le cap dessus, on t'attendra. Docteur Camden, vous me recevez? Ici Crane. Trophée obtenu, un peu de tourisme. Crane? Oui, je vous reçois.
Je suis dans le secteur 0. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jade et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Bienvenue aux gens qui arrivent sur le live entre temps. Alors attendez. D'accord, les avions arrivent. Alors je suis en train de voir le chat un petit peu les options, parce que ça fait longtemps que j'ai pas livé sur Twitch. Et du coup j'aimerais voir ce qui fonctionne pas. Aspect du chat. Ça c'est bon, chat fenêtrine, chat. Défaut, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, on laisse tomber. Ah, s'il faut, je ferai ce qu'il faut. Alors, du coup, on va y aller. Tac. Voilà, comme ça je me fais pas emmerder pendant que je crochette. Ah bah je peux revendre ça, tiens. Hop, ah ouais, l'inventaire est plein, génial. D'accord, ça marche bien. Pièce métallique. Une bourse. Voilà, y a rien de là-dedans, c'est tout bon. Oula. D'accord. De nouveau, je me trompe dans ce que je veux pas. Ah bah, je me soigne, moi. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera fail sur fail un petit peu aujourd'hui. Que c'est là-bas qu'il faut aller. On va en abuser hein, pour cette partie de la ville. Je me semble que c'est l'endroit où on s'en reçoit plus dans la gueule. Tac, tac et tac. C'est la bouffe, donc on s'en fout. Ça, c'est une virulente. On va faire gaffe un peu.
Quel bordel. Alors, le plan. Coupe. Ah shit, c'est une zone sécurisée, du coup il y a impossibilité de s'amuser avec le grappin ici. C'est toi, Trey? Ouais, c'est moi. Je m'appelle Michael. Troy t'attend dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Trey. Ok, bon, on y est. Trey, c'est trop bien. Moi, c'est sa vie. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade, ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais... Je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Tu mens ! Jade ! Jade ! Merde. Crane, la dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Alors, si jamais c'est le jeu, hein, c'est pas, y a pas de retard ou quoi que ce soit, hein, c'est juste le jeu, la synchro labiale est un peu pétée. Ah, il suffisait d'aller là, en fait, ok. Ok, c'est dans cette direction. Crane, c'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Xavi a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. A plus, Crane. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'acheter autrement possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Si tu veux. Alors, carte. Est-ce qu'il y a des choses à trouver? Oui, il y a un endroit là.
sortie dans le quartier du Recoin. Je vous en supplie, aidez mon fils. Alors, du coup, ici. Ouais. Alors désolé, je suis en train de réfléchir et de me demander si je fais bien les choses. Ah oui, d'accord. Fermez la porte. Ben voilà. T'as faut le voir, hein, qu'il faut pousser ce truc. Alors. Bon, ça c'est fait du coup. Combien il y a d'endroits ici? Il y en a à tout près. Peut-être qu'il y a des trucs liés à l'histoire, mais on verra bien. Voilà, tac, on passe par là, ça va tout seul. Le survivant est mort, le survivant, je m'en bats les couilles. Alors. Ah mais j'y suis pas en fait. Ah, c'est là. Voilà, donc ici, ça c'est fait. Ensuite, on descend. Ensuite, on pousse ça. Et ensuite, les fusibles. Ensuite, il y en a deux là. On passe par ici. C'est dans cette direction. Je vais faire ça d'abord, comme ça au moins on est sûr d'avoir des planques.
à ces avions qui passent au-dessus. C'est un peu oppressant à chaque fois. Alors, ici nous avons c'est à l'étage, d'accord. C'est à l'étage. Alors, on va fouiller déjà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, évidemment, alors tac. Ensuite, sur la map, nous avons celui-là. Je monte tout, je commande pas, je suis vraiment hyper concentré sur le truc. Ce serait en dessous. Attends. Remonte. Il y en a encore un à l'intérieur, d'accord.
On va pas prendre de gants avec toi. Quand même, hein. Voilà, ça c'est fait. C'est compliqué pour celui-là. J'ai pas tout compris parce qu'en même temps, c'est assez. Comment dire les choses ? C'est une tour dans le noir comme ça. C'est pas très évident de voir où sont tous les ennemis. Heureusement, c'est marqué sur la map. Allez, vas-y. Juste qu'il recharge un peu. J'aime pas être dans les rues. Bienvenue là. Oui, donc c'est par là-bas. On va essayer d'attraper le truc par là. On y arrive. Merci le grappin, franchement c'est une idée de génie pour ce jeu. Attends, mais il y avait un vendeur en fait. Alors, vendre tout mon merdier pour 3400 balles. Te vendre des trucs sans intérêt. La hache d'Highlander, je vais la garder. La faucille, je vends une. La pioche antique. En tout cas, les fusils de police, j'ai pas besoin d'en avoir autant. 137, 184. Qu'est-ce que tu vends, toi, piolet? Non, tu vends pas plus que... Tu vends pas meilleur que ce que j'ai, en fait. Donc, je vais garder, tout simplement. Ah oui, parce que tu vends...
Ok, c'est bon. Ok, les virulents vont s'en mettre à cœur joie. Ou pas, parce que j'ai qu'à me mettre ça sur la gueule puis ça passe. D'accord, donc inventaire, ça c'est pété. Ça on va mettre là. Ok, donc ça c'est bon. Sammy, si Monsieur Crane, t'es là? Ne me faites pas de mal! Non, juste la porte, merci. Message vocal, alors du coup. Message vocal. Hija mía, sé que me odias y que piensas que soy la peor madre del mundo. Ma fille bien-aimée, je sais que tu me détestes, que tu me prends pour la pire des mères, alors maintenant que la fin approche, je veux que tu saches la vérité. J'ai pas voulu que tu donnes de la moelle osseuse à Khan parce que tu n'es pas sa fille. Ça n'aurait pas marché. Tonton Adrien et ton père, trouve-le, il t'expliquera tout. Oula, oh là là. Du coup, quête, perdue dans l'espace, trouver Sammy. Doudou, gamin, c'est terminé. Tu vas bien? Mon papa a été blessé. Il a dit qu'il devenait comme les autres gens malades et qu'il pouvait plus me protéger. Il a dit que si je sortais du placard, il me ferait du mal. Mais qu'une fois qu'il serait vraiment malade, je serais en sécurité parce qu'il aurait oublié que j'étais là. Ton papa t'a sauvé la vie. Où est-il? Il est parti, Sammy. On pouvait rien faire. Maintenant, je vais te ramener à ta maman. J'aurais bien aimé rester avec elle. Troy, c'est Crane. Je t'écoute. J'ai un petit garçon avec moi, il a vécu des moments difficiles. Il va falloir l'aider. Tu auras quelqu'un dans 5 minutes. On peut le ramener à sa mère à la tour? Je l'y amènerai moi-même s'il le faut. Merci, Troy. Alors, du coup, bon, bah, ça c'est fait. Tac. Vive les coups de patte.
ça passe tout seul, il n'y a qu'à pousser ça. Vraiment, la capacité de péter les gueules quand ils sont par terre, ça raccourcit vraiment tous les problèmes. Trophée obtenu, bien à l'abri. Je crois que j'ai trouvé tous les abris en fait. Alors du coup, on en est à combien de temps là? 1h28. On va essayer de trouver Jeanne du coup. Alors du coup, de hautes études, carte, on enlève ça et on y va. C'est assez loin, hein, vu que je me suis vachement éloigné. Ça me foutront la paix un petit peu. Ok, du coup, c'est dans cette direction, ça passe. Je suppose que je peux passer de l'autre côté par là. Non, c'est par là-bas, ok. Excuse-moi, je cherche une nana appelée Jeanne Aldemir. Brune, cheveux longs, dur à cuire. Ouais, je l'ai vu parler à je sais plus qui là-bas. Merci. Jeanne? Jeanne? T'es là? Ok, nous les petites ondes de... Quoi? De calme. Aucun signe de Jeanne. Merde. Excuse-moi, tu peux m'aider? Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer s'emmerder. Elle s'appelle Jeanne Aldemir. Oui, elle était ici. Tu l'as loupée de peu. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis, elle est partie. Oh putain, elle t'a dit où elle allait? Non, mais tu es Crane. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça? Ah, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Dernière chose. Ouais? Tu te sers de fusil? Si oui, il faut que t'ailles voir notre armurier, Rupert. C'est un as.
Il peut fabriquer une arme à partir de n'importe quoi. Un silencieux me serait plus utile. Mais je le trouve où, ce Rupert ? C'est un peu le souci. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans son atelier. Et c'est son appartement. Ok, je vais voir. Ça t'intéresse ? T'as entendu cette musique forte ? C'est fait exprès, mais je me demande bien pourquoi. Ce gars doit vouloir mourir. Content de te revoir. Spike ? Putain, comment t'es arrivé ici ? J'ai eu du mal. Enfin, Brecken te passe le bonjour. Alors, à partir de maintenant, je ne bouge plus d'ici, ok ? Tout ce que j'avais pour toi au bidonville, je peux te l'avoir ici aussi. Hésite pas. Ouais, merci Spike. Pas de soucis, mec. À la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Kit de soins, crochet, corde, lame, oh, bon, on va tout prendre, la serpent s'en bat les couilles. Ok, c'est le nouveau hub. Je vois un petit peu le truc. Ça a l'air confortable. Si tu veux, ça a l'air confortable et tout, mais est-ce qu'on peut descendre ? Parce que moi, ouais, je vois un indicateur de mission, mais il est en dessous, donc... Est-ce qu'on peut passer par là ? Ça, c'est un plan pour nuée verte. Attends, je peux pas te parler. Là, Jade, Sigrid, tu me reçois ? Jade, tu me reçois ? Que dalle. Troy, ici Crane, tu me reçois ? Crane, j'allais t'appeler. Xavier a réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de revenir ici. Faut que tu vois ça. Pourquoi ? Est-ce que tu veux me montrer ? Ce qui se passe là, dehors. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Reviens vite, c'est important. Crane, je m'appelle Mort Norris. Je travaillais à l'hôtel de ville avant l'épidémie. Au département de modernisation et maintenance des infrastructures hydrauliques. Un sacré boulot, je peux vous dire. Ces derniers temps, il me manque plus que mes enfants. Ok. Alors, vous voulez me demander quelque chose ? Oui, je devais à nouveau rétablir l'eau dans le voisinage. Mais c'est impossible à cause de ces fichus morts-vivants. Et ça me tue, littéralement. Pourrais-je vous convaincre de le faire ? S'il vous plaît, oh, ce serait un beau geste civique, apprécié par des dizaines, voire des douzaines de nos concitoyens. Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffirait de rediriger le débit d'eau, c'est tout. Et ce serait d'une aide précieuse. Cela permettrait à notre merveilleuse fontaine de fonctionner à nouveau. Ok, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi, alors ? Merveilleux, fantastique. Il vous suffit d'aller aux trois stations de pompage et d'intervertir les valves. Je vais vous montrer où elles sont. D'accord, donc on a un nouveau hub, des nouvelles missions qu'on fera pour la prochaine fois, et je vais m'arrêter là tout simplement. Alors, tac, je vais me mettre ici, reposer le personnage,
Le lit ici, ça se passe comment? Ah, ici, d'accord. Donc, je vais m'arrêter là. Pour les personnes qui seront sur YouTube, bah, pouce bleu, abonnez-vous, c'est pas encore déjà fait. Pour les personnes sur Twitch, bah, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vais m'arrêter là. On en est à 1h37. Je stream via la PS4, donc je suis obligé d'arrêter et de reprendre ensuite. Donc, je vais m'arrêter là et reprendre d'ici 2-3 minutes sur du Dark Souls. Parce que oui, je vais reprendre Dark Souls. Parce que je compte faire Elden Ring et voir si je m'en sors un peu ou pas du tout. Donc, au revoir et à la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Ah oui, ce que je vais faire, c'est aussi quitter sur le menu principal. J'avais complètement oublié, je l'ai pas quitté là comme ça non plus. Ah, donc. Et puis, il faut aussi que j'allume parce que la nuit est tombée, je viens de remarquer. Donc, à tout à l'heure pour du Dark Souls. Au revoir, bisous.